Salam l'équipe, uh, encore une fois. Aujourd'hui uh, allons le 4 le cours qui est les plus en général. Nous à peu près 30 35 personnes et le cours Donc j'espère que vous allez bien mais le fait -être, que vous avez les points les plus importants surtout le cours à parce que les, on va dire les principales informations que euh, nous par rapport à beaucoup de, de syndromes qui m'a le syndrome physique qui ont le syndrome, méninger, euh, qui ont le syndrome méninger, euh, fonctionnel ايمن اهلا مرحبا ايمن مرحبا ماسيل ريما مرحبا بكم كامل بونجور اتوس توس نستناو برك كلك اون او دو مينوت ما يطلع لو نومبر وان شاء الله نبداو لو كاتريام كور تاعنا اليوم أوبس. شتو بوبو تاعي هادو هو كي صغيور قعدوا لي مازالهم للدرك مازال خليت مديتهم كاع خليت غير هاد ثلاثه ولا اربعه راني حاطهم من نفكروني كي كنت صغيور دونك <hesitation>> اا... وي ماسيل تفضل خو موش لي كويسون لي عندك

<laughs> Bref, euh, je sais pas, là, il y a un mouche qui a un retard. On va essayer de commencer le cours. Bon, on a fait la phase d'invasion qui a une légère raideur de la nuque. Il coule le brasinski ou le kiri ou le ké... ah. Sauf euh, la phase d'invasion, on ne se focalise pas vraiment à la le kéring ou à la le brodzinski, mais on ne se focalise pas Au contraire, on se focalise principalement a une fièvre à pratiquement 39, 40 degrés. On va principalement quelques frissons. Ou euh, surtout, quand on se à la clinique, on se focalise dans la nuque, on se focalise à la céphalée, on se focalise à la هادو لي اون فوا دوك كاين اللي... هاد لو بوتي طابلو كلينيك لي يبدا يبان دونك نتا كاين اذا كان عندك لي موين كنت غابيد ولا تقدر دير اون اون اين... بونكسيون لومبير دونك راح تشوف لو ليكيد سيربو سبينال لو ليكيد سيربو سبينال تاعك منو راك راح تلقى جوستومون راك راح تلقاه كلير مازال ما بداش يرجع بيغولون و راك رايح تلقى جوستومون مخلط بين دي دي بولي نوكليير نوتروفيل التيري و وتلقى... تلقى تلقى تلقاك دوتر تلقاهم انتاكت دونك حتى وين لا فاز جي مورا لا فاز ديتا باش اللي تقدر يبان لك لوبروتسنسكي ويشوف لك الاخرين وفي لو تريتومون بريفونتيف قلنا كاين سبيراميسين او ريفونبيسين ندير لهم اون اسوساسيون نو no, ما نديروش اون اسوساسيون على الكونترير اذا انت تحوس جوستومون تشوف يا سبيراميسين يا اه يا ريفونبيسين تشوف واحد فيهم اللي يواتيك ولا اللي يكون عندك يعني عندك شغل عندك دو زالتيناتيف عندك دو شوا تخدمهم شون اسوساسيون عندك يا هذا يا هذا

Bon, on commencer le cours. T'as entendu ta parler de pneumocoxie. Bismillah, le tout le monde est rassemblé. On débute cours. T'as entendu de En fait, le cours de l'aujourd'hui, c'est le pneumo, c'est le pneumocoxie. On le diviser en deux parties, donc deux grandes parties. La première partie, la plus importante, ça sera la méningoencéphalite ou la, la méningite encéphalitique. C'est le pneumocoxie. Ça sera la première partie. La deuxième partie milhier, parler principalement elle la pneumonie à pneumocoque, anciennement appelée la pneumonie franche l'obert et la PFL. Alors, ne le premier, la première partie, la à il y a la méningite à méningocoque. Mais après, après rapidement principalement elle a le petit jam, elle a le pneumocoque. Je connais quoi, mille cent familles, sont les euh, quels sont justement les principaux critères plutôt alors pour commencer il faut savoir que le pneumocoque taure il fait partie de la famille des streptocoques eh oui il fait partie des streptocoques c'est juste que euh, c'est un type qui le streptococcus pneumoniae donc il fait partie de la, de la famille des streptococcus et هو streptococcus pneumoniae le pneumocoque la culture تاعو soit par ou la, la structure générale est un cocci à gram positif encore une fois nous allons faire avec une comparaison, avec une comparaison. La différence entre nous, c'est que les meningo c'est un cocci à gram négatif et non pas un coccy à gram positif et non oui mais non parfois il y a une jumeau après on pour le traitement Après, on va discuter donc y a retard les questions le texte en retard en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que en utilisant la méthode de comparaison, on va savoir si le pneumococcus prend des effets de streptococcus ou s'il y a des effets qui sont ou plutôt qui sont avec mon cours concernant les méningococcus, c'est Alors pour le pneumococcus, on fait partie de la famille des streptococcus, donc streptococcus pneumoniae, alors, il est dans la culture théorique ou la culture. De la structure dialo, c'est une c'est une positive. Contrairement à une le meningococc qui est une coxyagramme négatif. négative. À des deuxième point, troisième point. Alors, les streptocoques qu'on a, blé qui chiffrent streptocoques L'autre fois, les longines, les scarlatines, les les tableaux cliniques, il y une hémolyse bêta, c'est-à-dire qu'il y une hémolyse complète. Par contre, le pneumocoque, il y une hémolyse alpha, qui est une hémolyse partielle. Bon, la culture terre elle se fait dans un milieu aéro facultatif, mais il peut se développer dans les deux. Et principalement, on va dire, il y a le pneumocoque c'est la microbiologie TAI.

les voies aériennes supérieures. Qu'est-ce que les voies aériennes supérieures Donc, on peut trouver dans aéro, plutôt donc ce qui est traché, ce qui est respiratoire, Donc, je vais déduire, logiquement, que la transmission de peut par des aérosols, donc, mal le contact, ou que deux personnes se ça, c'est le point important. Ensuite, on va voir peut-être des facteurs favorisants des terrains qui favorisent son développement. Mais bien, ces terrains, si grand, vous marquez ça, comme toujours les lives, un les détails, il faut savoir que le pneumococque, il y principalement le patient. Taï, la plupart ils ont un terrain تاع واحد splenectomie t'lqaouhom t'lqaouhom chou li se développe bzaf and les ناس li dairin une splenectomie donc ils n'ont pas de rate t'lqaah tani t'and les patients wad les gens qui ont des problèmes andhom l'immunité ou des pathologies comme le diabète comme comme le من et surtout 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 des patients qui dérèvent des traumatismes crâniens. Donc, on En fait, où je naïe, les facteurs euh, qui favorisent le développement de streptococcus pneumoniae ou de, la, de la pneumococcus. De taille, il faut, ça. pour récapituler, les patients splenectomisés, les patients qui ont un trouble de l'immunité de ou une faiblesse de l'immunité de à retenir. Il peut y avoir un diabète, il peut y icônes. Euh, peut-être cancer, il peut y avoir des gens qui ont SIDA ou autre VIH, il peut, pardon, donc l'immunité d'adaptation il peut y avoir des gens qui ont des traumatismes crâniens traumatismes de la base du crâne ils peuvent permettre justement le développement de euh, streptococcus pneumoniae ce les principaux trois points les nous avons ou et, quand a des maladies chroniques, qui menacent les malades de l'hépatite, qui menacent les diabète, etc. Donc, on a des terrains favorables qui peuvent se développer, le streptococcus pneumoniae. Nous allons nous allons voir, ou plutôt, la transmission se fait par voie aérosol ou par contact avec les patients, avec les patients qui sont Principalement Hadouma. Donc, avant de passer à la clinique, est-ce que ça va Est-ce que fais tout Est-ce que je dis tout Est-ce que vous avez noté les points Hadouma lesquels étaient les Donc, je vais attendre qu'il les colle. message ça, parce que est en retard. En attendant, je récapitule. que le streptocoque, il fait pas. Enfin, plutôt le pneumocoque. Il fait partie de la famille des streptocoques, Streptococcus l'espèce TAE ce sera Streptococcus pneumoniae c'est la culture caché c'est un coxy c'est un positif le contraire c'est le méningite à meningocoque c'est une coxy agram négative hadi il peut se développer à oui les saisons hivernales il y a des encore une fois qui mal la méningite à Rachin Shinto qui fait une hémolyse alpha qui est une hémolyse partielle et non complète, Et pour ce qui est de l'épidémiologie d'Iali, on a Rachikon une transmission interhumaine. Il siège au niveau des voies aériennes supérieures. à retenir, tani les points. Euh, important à retenir pour les qui se développe chez les personnes qui ont une immunité d'AEFA, ils sont splenectomisés, à, à retenir, très très bien à le point, splenectomisés. Les gens qui ont des traumatismes de la base du crâne, les, euh, les gens qui les ont des pathologies chroniques, l'hépatite, le diabète, et les pathologies. Ils principalement la microbiote et l'épidémiote et sur quoi ils se développent. Quel bon des facteurs qu'on a spéciaux, qu ils sont très résistants. Ben a en arfent qui as un VIH, ou la qui un lieu nosocomial. Donc avec les infections nosocomiales liées aux soins ou l'asbeste ou là elles sont très résistantes, elles sont connues d'ailleurs. Ça. Alors dit que avons la première partie. Donc est dit que nous avons la clinique La clinique, on va principalement en deux parties. Je l'ai dit, je vous l'ai dit dans l'introduction. En première position, on va parler de la méningite à pneumococque ou la méningo-encéphalite. Méningo-encéphalite. Donc, on deuxième partie, ou la deuxième clinique, on va parler de ça. C'est la pneumonie à pneumococque anciennement appelée PFL, Pneumonie franche-lobère aiguë. صحيت بسم الله كونسونتريو بيان اكون معايا فتحوا عينيكم فتحوا ودنيكم ستيلو كاغني ولا كاي ولا ورقه وكتب معايا وافتح عينيك وكونسونتري معايا تخبي نبداو بلا بنيوموني نبداو أه. بلوتو بلا مينانغو اونسيفاليت اپنيموكوك avant توت chose قلنا بليك أه... راح يكون عندي ان اونسومب دو بوين لي نهضروا عليهم دي سين de Méningite, en fait, je comme comme les choses. des signes de méningite à sans les signes du sharp, mais à la place, rachet de les signes encéphalitiques donc je vais expliquer. Al, alors déjà la méningite la méningo encéphalite, fiha, euh, il faut retenir que c'est une infection. Aiguë, qui peut être brutal. Et maintenant, nous allons décrire principalement l'attente à le sujet jeune. Ou là, le sujet est un une splénectomie. Qui est splénectomisée. Ça Bismillah. Pour euh, retenir les arguments, il faut savoir que principalement, normalement, on va mais je vais anticiper les choses. Mais il faut savoir que le pneu, il pas faut savoir que le pneumocoque, qui est un ça veut dire que vous devez noter ça, que les méningites à pneumocoque représentent 90%. Tienneblémia, as les méningites récidivantes. Donc, méningite à pneumocoque, enfin plutôt, les méningites à pneumocoque représentent 90%. تاع لي مينانجيت ريسيديفونت واش يعني لي هاد الهضره تعني لي كو اذا مرض بلا مينانجيت ابلوموكوك ننجم نزيد نمرض بها تخلي لي بوتيتر دي سيكيل ولا تخلي لي حاجات لي تخليني نقدر نعاود نمرض بلا مينانجيت ابلوموكوك دوك سكون ابل لا نوسيون دو ريسيديف اكتب عندي لا نوسيون دو ريسيديف كتبتو لا نوسيون دو ريسيديف لي جون ليكيب كتبتوها اه خلاص c'est bon ça, ça pour la notion de récidive allez maintenant nous donnons le le patient téi principalement qu'on a il peut être soit une promiscuité soit il peut être les gens splenectomisés il peut traumatisme de la base du crâne ou gérera ça y est qu'ici le, 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 le tableau clinique, théorie, il faut savoir que principalement, il y a des signes généraux. Les signes généraux y c'est un début brutal, un début uh, agressif. Oui, c'est d'emblée une fièvre à 39-40 degrés. Il y a des frissons euh, intenses et répétés. Il y handi, euh, a un état général altéré et une chose importante quelques jours les on peut me rapporter la notion de une otite une une infection plutôt d'ordre ORL. ils font partie de mon tableau donc t'as qu' qui m'a par exemple la la porte d'entrée euh, quelques jours auparavant, il y a une rhinopharyngite. Ici, au contraire, euh, et en il y a une infection d'ordre oral. et il a peut une être cliniquomisé ou il peut avoir un traumatisme de la base du crâne. Il y a des détails à voir. Après, il n'y a pas de clinique. Donc, nous avons utilisé le tableau clinique. On a les signes généraux. fièvre. Auparavant, on peut rapporter. Il peut rapporter une atteinte ORL, Il peut te dire qu'il a fait une fièvre 39-40 degrés. Il peut il te a fait une fièvre 39-40 degrés. Il te dit des frissons répétés et intenses, beaucoup. je trouve que les décharges bactériennes qui sont importantes. Et l'état général est vraiment altéré. C'est vrai. Les signes fonctionnels vont avoir un syndrome ménager fonctionnel. Bon, je vais vous poser une question. Comment qu que je fais le, le syndrome ménager fonctionnel ou ouais, les signes, tu as le syndrome ménager fonctionnel. Donc, je vais désigner, euh, je ne sais pas, peut-être répondez, répondez-les, ou la ou la lubna, ou la rima, ou la aïe, ou la j'aimerais qu'ils me disent, me disent, je connais les signes ménagers. Ou là le syndrome ménager fonctionnel. Aïe. Oh le roi. j'attends CVC. Eh, ça a mal qui. la Les autres. Aïe. Femtek, très bien. الو كيما قال مالكي راح يكون عندي دي لي انتونس اون كاسك روبال اوزونتالجيك راح يكون عندي دي فوميسمون فاسيل اون جي صحيت فاطمة زهرة أصبتي هو دات خبيان مالكي نستعرف بك هيا خلاص Ils sont tous Alors, le syndrome mélangé fonctionnel, rapidement. Rachikunandé des céphalées rebelles, osontalgiques et intenses. Rachikunandé des vomissements faciles en G. Pour troisième point, Rachikun euh, des troubles du de transit. Troubles du transit, constipation qui, ce n'est pas constant. Donc une constipation. Plus, ou là, qui peut être changée à de l'enfant par des diarrhées. Rachikunandé, vu qu'on est chez un enfant, bon qui ma ce c'est pas une sens exacte mais vu qu'on est chez un enfant on va mettre entre parenthèses euh, plutôt euh, on va dire trouble du transit constituant son adulte et d'arriver chez l'enfant mais très bien dans l'ensemble alors les signes fonctionnels diaries de plus concentrez-vous bien ma mère râine signes encéphalitiques là c'est l'page zayda râte qu'on a Sachant que nous avons les signes d'orientation du charpe. D'accord C'est ça. Nous une comparaison avec le ménage. C'est ça. Pour nous parler d'un syndrome de l'école de la vie, je vais vous dire que c'est une question. Pour nous dire que le syndrome méningé fonctionnel, il y a qui ont. Qu'on a principalement céphalée, vomissement facile, longé, les céphalées qu'on rebelle aux antalgiques, plus euh, des troubles de transit, soit constipation à l'adulte, soit, euh, soit des, une diarrhée qui peut être remplacée par une diarrhée chez l'enfant. Et vu que le pneumocococ et on décrit une méningo-encéphalite, c'est un tableau enfant, on est en train de décrire principalement, qu'on a que nous une diarrhée. De plus, le signe fonctionnel, on a un syndrome mélangé fonctionnel plus des signes encéphalitiques Je connais les signes encéphalitiques Donc, c'est en rapport à la neurologie. C'est des signes atteintes de l'encéphale. Donc, les atteintes de l'encéphale a principalement des, des troubles de soi, des confusions, des confusions une agitation soit qu'elles te conduisent, mon patient obnubulé, jusqu'au coma, à tout ça, mais ils font partie du tableau terreur Donc pour récapituler, donc ce qui fait partie du signe y des obnubulations, de de une agitation, tu une irritabilité, une irritabilité des confusions, font partie du, euh, des signes encéphalitiques, Ça. C'est ce que nous le, le, le signe euh, physique, parler principalement alors, le syndrome méningé physique. Donc, le syndrome méningé physique, toujours une raideur de la nuque. Je ne peux pas. J'aurai une résistance, une, vraiment une, une raideur de la nuque à la par contre, les mouvements latéraux, ils seront conservés. Il y aura par la suite, comme on l'a Il un signe de Brudzinski. Il y aura un signe de Kering. Il y aura les signes vasomoteurs les sont les réménagétiques de Trousseau.

pour récapituler, on a le tableau terre et la méningoencephalytique. Rachekunandi des signes généraux fièvre 39-40. Frisson répété et intense. a une notion d'atteinte ORL. Donc les signes fonctionnels. Rachekunandi un syndrome méningé fonctionnel. Plus des signes encéphalitiques. Les signes encéphalitiques, qu'on a... Uh, تقدر تكون عندي اوبنوبولاسيون تقدر تكون عندي اجيتاسيون uh, يقدر تكون عندي, uh, Ensuite, جنمشينا, syndrome, uh, على يكون عندي اريتابيليتي هادو كامل انسويت جينا مشينا نحكيو على لو سيندروم بلوتو على لي سين فيزيك راح يكون عندي ان سيندروم ميناجي فيزيك كون افي اون لون اي اون لارش نزيدو لها دي سين نورولوجيك من بينهم يقدر يكون عندي دي تروب دو لا كونسيونس Il peut avoir une atteinte respiratoire et hémodynamique. Il peut avoir des troubles neurologiques en foyer, qui ont des convulsions, qui ont des atteintes des nerfs crâniens ou des percs crâniens. Est-ce que vous tout Est-ce que ça va pour le moment Est-ce que tu as tout ce que j'ai dit باش نمشيو باسكو يتلحقو يطاقو نكوغ اون فوا Alors bon. Je vais continuer parce que malheur les questions t'arrive comme malheur qu'on est, je serai comme ma chef Alors, l'évolution, t'es. On a qu'à la l'évolution. L'évolution c'est très simple. Les ménagistes m'ont Tu traites. Rake Dawi. ton patient il est sorti d'affaire. Tu ne traites pas. Rakek on indique principalement c'est la mort. Donc, évolution sans traitement, elle est fatale. Avec traitement, elle est bonne au bout de 10 à 15 jours. Faites un ou là. Parce que... Je sais pas, est-ce que... le live en retard, là là, Mais alors les signaux l'atteinte en foyer, uh, amen, en foyer, c'est, euh, je, je, je pense que Mme Adret au neurologie, qui dit neurologie, principalement des foyers, de foyers, de foyers... on il y a des cortex, il y a des, uh, il y a des régions spécifiques, les noyaux gris centraux, il les euh, centres, les paires les noyaux donc je' euh, en foyer c'est par rapport à la la région ou la région qui a été euh, altérée lors de ma méningite ou la laattente donc c'est ça la en foyer principalement et pratiquement euh, voilà pour récapituler de nous rapidement l'évolution avec le traitement et eh ben mon patient il est tiré d'affaires mais dit traitement elle est fatale au bout de quelques jours deux à trois jours euh, donc voilà par contre ce qu'il faut se retenir ce qu'il faut savoir qu il y que des complications les complications à elles peuvent être donc de trois types principalement les premières les des complications d'ordre infectieux ou la des complications infectieuses et ou à lapsé du cerveau chauffeur de cas rapidement quelles les complications les chauff ce sera des complications mécaniques

qu'il n'y a pas d'abcès ou là pour au contraire confirmer son existence. Le foyer d'ailleurs il peut se manifester par un syndrome de suppuration profonde. Il peut, euh, il peut être il une hypertension intracrânienne parce que, donc il dit tout le neurodéruit hypertension intracrânienne. Il y a des processus, il y a un processus tumoral, il y a un abcès, il y a un hématome, il y a plusieurs processus choses, qui vont comprimer justement la euh, la structure interne parce que qui dit d'aller l'hypertension interne, tension intracrânienne, tout dit que l'hypertension intracrânienne. Comment elle est traitée? s'il si n'y a pas de complication, on dira plusieurs PL où il n'y a pas de contre-indication, on dira plusieurs ponctions lombaires, pour donc la tension liquéminale Deuxième point alors les complications mécaniques les complications mécaniques schéma ils ont l'hypertension intracrânienne l'hypotension intracrânienne le cloisonnement méningé cloisonnement méningé râpe ykoun andi tani anématom sous c'est des cours entiers en neurologie donc je vous invite t'qrar rapidement ce qui est écrit dans le nasser qui est là les points les plus importants. En neurologie, quand vous pouvez faire des recherches, c'est vraiment lent, c'est des cours à part entière, je vous invite à les faire. Moi, ce que je peux vous dire allez, rapidement, c'est que le syndrome d'hypertension intracrânienne, il est lié à quoi Il est lié justement à l'œdème, l'icône le cerveau, l'icône fait suite, soit à la complication, cette année, à la méningite à la qui est lié à un traumatisme intracrânien ou à un traumatisme de la base du crâne ou la à... menrecha, même les causes qui peuvent imiter l'hypertension intracrânienne. Alors, au chandek tani, qui fait que tu as un signe l'hypertension intracrânienne, rachikola en décéphalée intense tani, rachikola en vomissement en En fait, c'est fali intense, vomissement en c'est principalement les signes d'une hypertension intracrânienne à des cheveux peut dans neurologie zid chez l'enfant une, une fontanelle bombante la fontanelle antérieure comme on avait dit Elle ne se referme pas avant l'âge de 2 ans des signes peut-être de un collapsus intravasculaire lié li à une déshydratation ça fait. Euh, Z, le cloisonnement ménager, il est suspecté en cas de persistance de syndrome infectieux. Donc, il y y un syndrome infectieux, mais plus un syndrome ménager fonctionnel euh, ou la physique. Leur réapparition, ou je vous qu'elle a là. Voilà, tu pourras suspecter le, le cloisonnement ménager dialecte. Alors, par des ponctions lombaires. L'hématome soudural il est favorisé par l'hypertension intracrânienne. Principalement, il deux les complications mécaniques. Et enfin, troisième partie, c'est les séquelles. Les séquelles, les séquelles, les séquelles, va les séquelles, les séquelles, les séquelles, les donc, les dégâts, ils peuvent donner justement de la méningoencéphalite qui sont vraiment néfastes par rapport à ce qui est neurologique. Donc, entendons, le, 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 le tableau clinique TEAC, indique la complication, les complications, les cordeliconaux, les ont principalement les d'ordre infectieux, les l'abcès les, euh, les, euh, les, euh, du cerveau. Donc on va traiter par la femme, même par une antibiothérapie, plus un drainage neurologique. Donc c'est les chirurgiens qui s'en occupent les neurochirurgiens. Il y des complications mécaniques d'ordre, les phenomènes, hypertension intracrânienne, cloisonnement méningé peut-être y a un hématome soudural. Et troisième partie, les séquelités, de vraiment, la cécité. Et la surdité principalement à deux moments donc kingi nous n'a ou donc les formes cliniques l'ochrein l'irdani le streptococcus pneumoniae ou la le pneumocoque il m'a principalement la forme meningo encéphalétique il m'a dit tanit euh, selon la gravité tanit il m'a la forme euh, sub-aiguë foudroyante, ouctache hadia, des principalement, qui connaît un patient splénectomisé, donc un patient qui n'a pas de rate, ra a, uh, a un patient qui n'a pas de suite à un cancer, suite à une métastase, suite à une pathologie quelconque, on a été contraint de, euh, de lui ôter sans euh, sa rate. Z. Qui euh, va va apparaître peut-être qu'on a un tableau de sepsis, à streptocoque, euh, un LCS ou un liquide cérébrospinal y a une icône claire. Donc ça peut, euh, ça peut, ça euh, avec une hyperlococytose à polynucléaire neutrophile. Ça on va dire qu'on va les euh, formes NG pur. Donc, son signe encéphalétique Elle n'est pas très fréquente, mais t'injume Ça. Selon l'évolution, on les formes récidivantes, les a parlé la notion de récidive, sachant que les méningites à, méningo, à pneumococque, pardon, sont et représentent 99% plutôt 90% des méningites récidivantes. Euh, Zid et en rapport avec l'existence d'une porte d'entrée ostéoméningée, donc il y a peut-être une atteinte ou là, un traumatisme de la base du crâne, il y a des points li-en-choufouham. Ça, Selon l'âge, euh, le trait de contentit forme de vieillard, toujours confusion mentale, un tableau peut-être psychiatrique des troubles du comportement.

voilà, principalement, on a fait le tour de la question et les formes cliniques. Bon, had les formes cliniques, vous inquiétez pas, euh, c'est pour vous, c'est pour bien les connaître. Donc euh, voilà, euh, pour cette partie-là, pour cette clinique, madame a le diagnostic positif et la conduite à tenir. Belmanimcheo, le diagnostic positif et la conduite à tenir. Est-ce que euh, ça va Est-ce que a est compris Est-ce que ça se passe bien dites moi tout. Je vais vous faire le tour. Je vais faire le tour. En fait, j'essaie de de faire l'essentiel de de notre cours, d'aller doucement, euh, de voir l'essentiel, les quoi les choses. بيد ما تلحق لي ريبونس تاعكم نكمل نكملوا ولا شنو نديروا اسكو سافا ديت مو اي آه اللي كيبقولوا لي

راك تقول اه بون كيفاش نعقل بلي اذا ما عنديش ونكون في سين اه عندي غير سين مي انرجي بو كاش راح نفيق اسكو بنوموكوك اسكو مينانغوكوك الوغ سي تري سامبل دون الكادر دو لورجونس انت واش راك راح دير لا كونديتا تاعك براتيكومون الي لا ميم سوف كو لو تريتمون واش راك راح تمد اون بروميير انتونسيون كيما قلنا كيما تكونش سور انت بكل كل جيرم لي راهو يدير لي هاد لو بروبليم نمد

ou mais euh, c'est pas plutôt c'est le meningococc je vais adapter justement mon traitement comment je vais adapter mon traitement nous allons ai mettre t'as le meningococc le l'inzid lola etc. Haja lola. Haja deuxième il faut savoir que qui va capter inta par la suite va capter l'hémoculture ou la ponction lombaire l'hémoculture va capter qu'on a avec le meningococc c'est un coxyagram négatif pneumoco c'est un coxy a

شفنا بليك راح يكون عندي ان انصومبل دارغومون مجموعه تاع المعطيات راني رايح نطمهم كساسوا في مون اكزام في الكاكلينيك ديالي باش نكتبهم كساسوا دي كي نجي نكتب بلوتو اون طون فيتور براتيسان كيفاش نكون منظم في راسي وكيفاش جو في تريتي زا يجي كان باسيون في كونسلطاسيون ولا في لي ولا في لاكارد تاعك اي يعطيك ان اونسومبل دارغومون انت لازم تعرف تستفهم في راسك تكون بيان ميثوديك تكون عندك الطريقه لوغ دو لا ميثود الوغ لي زارغومون انامنيستيك اكتب معايا نوتي سا شي فو لي زارغومون انامنيستيك ديالي راني حنا نعرف بليك تجي ليك تقدر تقول لك لا نوسيون دو ريسيديف

Akkadit kon orienté. Donc, naoudo, terrain, antécédent d'infection ORL, notion de splenectomisé, notion de splenectomisé, on n'en est pas constante, mais je suis daimen. T'as juste qu'on nous fait un daimenisme et qu'on splenectomisé. C'est parmi les causes, parmi les cas, l'icône splenectomisé. Rahikoun euh, a dit euh, un traumatisme crânien. Hadoukal, euh, les arguments amnestiques, premier point. Deuxième point, n'aim chier ou d'aucun les arguments. Euh, clinique les arguments cliniques principalement راح un syndrome راح déjà une fièvre ou la dessine généraux fièvre à 39 40 degrés راح des frissons altération de l'état général mon patient dit que aيع فيها كاع زيت des signes un syndrome euh, méningé euh... Fonctionnel, plus un syndrome énergé physique, Râh, il y a aussi un syndrome plutôt euh, encéphalitique des signes encéphalitiques neurologiques, les humains ont une obnubulation, euh, ils peut-être peut-être. Il peut euh, euh, voilà, ils sont peut-être. كلينيك <applause> لي زاركومون بارا كلينيك دياولي راني رايح نعرف وراني رايح نشوف بليك برينسيبالمون يكون عندي دي بيلون دوريونطاسيون لي هما الاف ان اس اف ان اس اون هايبر لوكوسيتوس ا بولي نوكليير تروفيل كي نزيد ندير لا سي ار بي توجور راح نلقاها بوزيتيف اذا درت لا في اس C'est un syndrome infectieux, atteinte. On va principalement élevé ou accéléré. C'est ça. Télétorax, une des rares florimentations. Une des rares florimentations qui est très importante, surtout si tu as une notion de splénotomie, tu as un problème de la dire. Tu tableau de syndrome mélangé fonctionnel et physique

que vous allez faire et voir en détail les neurologies. Donc, le EEG, il va nous orienter à peu près l'activité cérébrale de mon patient. Ça va. Nous allons le bilan de certitude. Pour le bilan de certitude, encore une fois, celui qui va me dire ou celui qui va m'orienter, il une. Euh, une ponction lombaire. Avant de la ponction lombaire, je dois m'assurer que mon patient euh, me justement une atteinte, euh, une contre-indication à la ponction lombaire qu'on avait vue, d'ordre neurologique et non neurologique. Ça, c'est ça. Quand je vous dis cas, la ponction lombaire, le résultat est un liquide hyper tendu. Il yani y un liquide qui n'est pas clair. Il sera trouble, il sera. Euh... Il sera pas normal avec un aspect purulent, peut-être clair dans les formes débutantes ou les formes décapitées. Quand on a expliqué l'autre fois la forme décapitée, c'est quoi C'est une prise d'antibiotiques. C'est une prise d'antibiotiques qui le germe. Donc, on ne peut pas le céphalo-rachidien ou le cérébro-spinal. Donc, on et... Mais par contre, on a des polynucléaires altérés, on a des polynucléaires ça. Or, que normalement, on a la composition de le liquide céphalo-rachidien, mais on a des troubles où il n'y a pas de polynucléaires no ferme. ça. fermes. Z. Logiquement, on a toujours cytologie plus de 1000 éléments par mm3. prédominance polynucléaire altérée, albumine élevée, glucose, la glycorachie li nlaqawha vraiment vraiment bas 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 à la moitié de la glycémie donc il y a kan tlaq glycémie تاعي 1 g par litre la glycocorachi تاعي لازم ma dépasse pas les 05 henna nlaqawha vraiment hapta hapta limite 03 02 c'est-à-dire qu'il y a eu une consommation du glucose qui est présent dans le liquide céphalo-rachidien واش معناتها معناتها qu'il a été consommé par le germe ça ha premier examen de certitude تاعي le liquide la ponction euh, du liquide euh, céphalo rachidien la PL ponction lombaire ça Z le deuxième moins certitude, toujours les l'hémoculture ou là, la culture T je vais en flammes de bougie chaque flamme de bougie chez maquetté l'atteb r'raïkon HADIK LA FLAMME et c'est quoi ce sont le regroupement terre les coxy positifs les coxy positifs

quest Qui dit la ponction lombaire taak, ou la quest plutôt qui dit l'hémoculture, la, la, la culture, je ne sais pas si c'est un coxiagramme négatif, mais plutôt un coxiagramme positif. C'est ce que je veux dire. C'est ce que dire. Nous allons dire une recherche d'antigènes solubles. Recherche d'antigènes solubles, nous allons dire soit par technique latex, soit par technique. Iméno-électroforest. Voilà, on a les trois points de certitude terrestre. Donc, ponction lombaire, hémoculture et euh, la recherche d'antigènes soluble. Pratiquement, on right a Donc, diagnostic positif terrestre, pour récapituler, on a arguments anamnistiques. Non, euh, Fatima Zohra. Alors, Fatima, non, la PL c'est certitude, c'est un examen de certitude. Ça, c'est a ne pas l'orientation. L'orientation, principalement, c'est la FNS, c'est euh, le bilan inflammatoire. On a un zidotéritoire, c'est EEG. Mais le bilan de certitude, je l'ai dit et je l'ai bien, 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 bien euh, accentué. Euh, on a fait le camp principalement f la donc on on dit une ponction lombaire est-ce que l'examen est euh, il est bon ou donc ça sera plutôt il va m'orienter c'est la certitude de la ponction lombaire on a les mots culture ou a principalement les antigènes euh, solubles les antigènes

une personne splénectomisée ou là il peut y être il peut peut-être il peut y être tenant. Nous avons vu clinique nous avons vu un clinique. Donc, parler de la prise en charge. Pour faire notre prise en charge, nous allons c'est une pathologie assez dangereuse. Donc je dois agir rapidement. Donc, m'arrêchez le patient aller à l'hôpital. Je viens dire principalement qui m'apporte comme standard hospitalisation, mise en condition, d'abord de voie, avec réhydratation et le traitement spécifique. Terre. Quand je viens dire mon traitement antibiotérapie terre. je viens dire, moi, je vais dire principalement, je j'ai besoin, j'ai besoin de dire qu'on le liquide cérébrospinal LCR, plus une hémoculture avant toute antibiothérapie. Pour faire l'hémoculture, je dois d'abord mentionner les six règles de l'hémoculture et les les avons les avons Ensuite, euh, quand on confirme les a positif positifs, on ce qu'on appelle l'antibiothérapie. Ça. Madame Beko, je vais vous parler du traitement. Parce que il est mal expliqué, chouilla. Le traitement est principalement le les céphalosporines de troisième génération. Les C3G. Les C3GT, elles sont en première position. Rachicone, le céfotaxine. ما نهضروا على سي فوتاكزيم قبل ما نهضروا على لي زوتر اه تريتمون راني رايح نحكي لكم على دو كات فيغور امبورطون الاولاني جو في فو ان تي بو تلحقوا تقسوني تشوفوا نشوف اسكو راكم تبعوا معايا باش تكتبوش نحكي

Prédisposant à une sensibilité diminuée au pénicillin. quest ce que ça veut dire. Ça veut dire, il y a des signes de gravité, il y a des complications, il y a une sensibilité au pénicillin ou au bétalactamine en général, toujours du Donc, sifo en IVD, c'est-à-dire en intraveineuse directe, on 12 à 16 grammes par jour. Et chez l'enfant, on va mettre 300 mg par kg par jour. En quatre prises. Et cela, de 15 à 21 jours. Est-ce que ça va Alors, on a dit, il y a des absences de, de signes de gravité et des signes prédisposants des facteurs prédisposants à une sensibilité diminuée, ça veut dire mais en d'autres termes, mais gravité, mais n'a d'allergie au bétalactamine. lactamine, il y a gravité, mais n'a d'allergie au bétalactamine. On change le en IVD, en intravenous directe, nous mettons 12 à 16 grammes par jour, l'adulte, 300 mg par kilo par jour, l'enfant, en 4 prises, nous mettons une stache de 1 Par contre, c'est faux taxime, nous mettons ce qu'on appelle le traitement adjuvant, c'est la corticothérapie. La corticothérapie, qui' je l'ai expliqué l'autre fois, nous allons la le pneumocoque, une fois qu'il est au niveau des ménages au niveau de la région cérébrale, il va sécréter ce qu'on appelle deux dépôts et de données. Euh, oui, toujours en IV, toujours en IV, toujours, toujours qu'il est enfant, qu'il est adulte. Et c'est la posologie qui est en et toujours, il faut hospitalisé 15 à 21 jours. Quand on a le traitement, on a une brèche, on a une c'est bon, à ce moment-là, je peux libérer. Donc, je vais expliquer, et c'est une question de croque, qu'est-ce que nous avons fait Quand on a, dit, qu on a mis, euh, la méthazone, ou le traitement adjuvant en corticoïde, ou la corticothérapie, tout simplement, il y aura des dépôts amyloïdes au niveau des ménages. Donc, la vas au niveau des ménages, où les et, hum, hum, et comme ça, euh, on va se débarrasser des dépôts amyloïdes. Donc, par la suite, je vais vous donner des complications qui m'ont les œdèmes, qui m'ont euh, les complications, et surtout, euh, elle va permettre par la suite le passage plutôt parce que quand il y a des, des des antibiotiques les peuvent pas le passage euh, hémato ménager donc le corticoïde t'excommone mais antibiotique et surtout tu les dépôts amyloïdes et éviter les complications mais de dème donc on va récapituler le traitement thérapeutique et je fais on عليه des signes de gravité ou euh, ما les bêta lactamine ما Exactement, Yassine Bakiré. C'est une question qui est très trois fois c'est une question qui est très forte. Et parce que le cours, c'est Dr. Saad Jaballah que je salue, que je respecte énormément. Je vais vous dire que c'est un peu plus important. Elle prend tout son temps pour l'expliquer. parce qu'elle est importante. Alors, je on a une allergie ou beta lactamine ou euh, des signes de gravité, on met les céphalosporines de troisième génération. Les humains, la céphotaxine plus un traitement adjuvant à la corticothérapie, il y la dexaméthasone. Je vais mettre la céphotaxine, on va pour l'adulte 6 à 12 grammes par jour. En perfusion, 4 prises en IVD, direct. Et en traveineuse directe. Nous mettons dans l'enfance rare, en nous à peu près 300 mg par kilo par jour, toujours en quatre prises, en perfusion IVD. Et cela, les moyens de 21 stage, de 15 à 21 jours. D'examéthason, pour l'enfant, 0,15 mg par kilo par jour. L'enfant, la le durée 3 à 5 jours, pas plus. L'enfant, on peut lui euh, donner 10 mg par jour. 10 mg par jour. Plutôt par 6 heures, mais pas par jour. Par 6 heures, chaque 6 heures. Chaque 6 heures. C'est vrai. On va. On va le dans le traitement. Et si vous des signes de gravité, vous avez peut-être euh, quand on a peut-être euh, des signes de gravité, on met toujours ces cephotaxime, plus d'hexamétason. Donc, c'est la même posologie. Barc, nous un troisième traitement, les voilà. le vancomycine. Vancomycine, c'est en on intraveineuse lente, on met 2 grammes par jour l'adulte, ou on met à peu près euh, 60 à 80 mg par kilo par jour l'enfant. C'est principalement. دونك نعاودو اذا كانت euh, دي سين دو غرافيتي اي دو كومبليكاسيون واش راني رايح نمد راني رايح نمد تريتمو euh, توجور كيما اللي فات سيفو تاكزيم ميم بوزولوجي نزيد نمد لا ديكزاميتازون ميم بوزولوجي ونزيد لهم على هذا لا فونكوميسين فونكوميسين قلنا دو غام بار جو عند لادولت وعند لونفون راهي رايحه تكون 40 à 60 mg par kilo par jour. Toujours, les moudettes 15 à chez les enfants. Par contre, si vous avez l'allergie, vous allez mettre du cephotaxime par le chlorophénicole. Le chlorophénicole, vous va mettre 3 g par jour chez l'adulte et 50 mg par kilo par jour l'enfant, les euh, en trois prises, les moudettes 15 à 21 jours. Donc, ce qui si est bien fait le cours, c'est que ce qui concerne la posologie, tout ce qui est pneumocoque, le mouton, de 15 à 21 jours. Voilà pour ce qui est du traitement. C'est le traitement T. C'est andy, les traitements symptomatiques. Je vais peut-être des antipéritiques. Je dois traiter... Attention, a dit que Je ne dois pas oublier le traitement du splenectomisé. Quand il pas un traitement à vie, je dois m'assurer que le traitement le traitement. Donc, il doit le prendre. Euh, Z, l'oxygénothérapie. Rééquilibration, réhydratation. C'est un standard. Le traitement de l'état euh... de, de choc. C'est un état de choc. C'est un sinon pour ce qui est de la gestion des complications c'est très simple qui m'a il un je dois donner une antibiotique une de mode antibiotique plus un drainage de l'abcès. il y a un hématome sous une ponction transfontanelle il y a un décloisonnement des dérivation ventriculo péritonéale il a une hypotension intracrânienne, une réhydratation. Il a une hypertension intracrânienne ou plutôt ponction lombaire plusieurs heures. Alors, principalement, traitement qu'on a des de du chloramphénicol. Chloramphénicol, 3 g par jour de l'adulte et 50 mg par kilo par jour chez l'enfant. En trois prises, toujours, le mot d'être, m'stache, l'ouh, deux, chéri, nioum. A La surveillance, bien, m'a dit, m'a fait une chauffe aura, clinique, thérapeutique, c'est standard. Donc, tout ce qui est standard, on le joue Par contre, le traitement préventif, ou là où je l'ai demandé, il une déclaration obligatoire de la maladie. Déclaration obligatoire de la maladie. Ça. Il dit, quand je dois la traiter. Il un problème ORL, je dois le traiter. Et un des, la immunoprophylaxie. L'immunoprophylaxie, qui dera, bah est c'est très simple, il un vaccin. Et c'est moi, le vaccin prévenir 13. Prévenir, Je vais prévenir. Je vais prévenir. C'est prévenir 13. P, R, E, V. E, N, A, R, 13. À l'air 13 parce qu'il prévalent qu'il y a pratiquement 13 antigènes euh, valants. 13 valants. Ça, on va dire qu'après 8 semaines, il un autre vaccin. Il se le pneumo 23. Ou là, le imovax. Pneumo 23, imovax. Contre-indication chez la femme enceinte et l'enfant de moins de 2 ans. Et le rappel, on va revoir le point. On a le traitement préventif déclaration euh, obligatoire de la maladie. On a une recherche d'une porte d'entrée éventuelle, l'HRL où on doit la traiter. Je peux faire une immunoprophylaxie par rapport à la vaccination. Donc, si on a un patient, euh, ce qu'on appelle le pneumo, le prévenant 13. Le prévenant 13, c'est euh, un mélange fait 13 valants, 13 antigènes. Après 8 semaines, un autre vaccin, le pneumo 23, ou le connu commercialement, l'imovax. Bah, euh, il le rappelle chaque 5 ans. Il est contre-indiqué, chez la femme enceinte,

on a le patient Ligini avec une méningo-encéphalite à pneumocopie, qui fait chalanira, je gère la situation terrible. Première intention, première chose à faire, il y a une urgence de, de troisième génération. Il c'est normal, ça va, il n'est pas vraiment dans un cas critique. Euh, oui, prévenir. Oui, Osman, docente Ça. On a Rachikon, une hospitalisation, mise en condition, d'abord de voir. En troisième position, on les prélèvements prélèvement rapidement, donc le sang, parce qu'on a l'hémoculture, ou on a un coxiagramme positif. On a une ponction lombaire, donc du liquide cérébrospinal ou là, du liquide céphalo-rachidien. On a le liquide cérébrospinal, je vais voir un peu près s'il est trouble ou pas, est-ce qu'il y a un polynucléotrophile. C'est un examen de certitude, il y a un, un examen de certitude. Ensuite, on a le traitement.

Traitement symptomatique, bien, Surveillance, bien. Ensuite, on a, y a la partie traitement préventif. Le traitement préventif, on a déclaration obligatoire de la maladie. Qu on a recherche et traitement d'une éventuelle porte d'entrée au RL, où on doit la traiter. Qu on a une immunoprophylaxie. Prévenir, 13. Prévenir, 13. donc c'est plutôt un ensemble. D'antigènes, de, c'est pré, des prévalents. Ils sont 13. Après 8 semaines, ils ont fait le pneumo 23, commercialement l'Imovax, où il est, euh, rappel, chaque 5 ans, il est contre-indiqué chez la femme enceinte et chez euh, l'enfant de moins de 2 ans. Principalement, c'était ça. Donc, les lépidémie les le, la microbio. Chiffna, euh, chiffna tenit, le, tenit la clinique Tana. la première partie, il y a le pneu, la le à le pneumocoque, avec les complications ha, diagnostic positif, et la conduite à tenir THA. Ça, euh, Ousmane, euh, concernant cette, cette malhouche, il a évolué il y avait 7 et il y avait 13. Le 7, en, en principe, c'était le premier. on Et après, 5 enfin 8 autres plutôt. même 6 autres, 6, 6 ou la 7. Ils 6 antigènes et Et ce qui a donné les prévenants 13. 13, 13. Donc, c'est 13 à l'intérieur. Donc, c'est changé. D'accord. Donc, on va de la deuxième partie, le à pneumonie à pneumonie plutôt ou la connue anciennement pour la PFM. Je vais vous dire rapidement, surtout qu'une tomate du tout pneumonie, j'apprendrai peut-être même plus que mes tomates de talmone. Donc, est-ce que vous avez des questions Est-ce que avez ferme toute la clinique de la en céphalite Est-ce que je suis tout Est-ce que je suis d'études J'attends vos réponses ou vos questions ou là. Dites-moi, je vous pardonne, je vous remercie. Je vous remercie.

Toujours le problème, tu la connexion de la connexion, tu as retard, je ne sais pas si tu as le retard. Peut-être que va as le retard si tu as le, problème, le, problème, le, problème, le Alors, la pneumonie, euh, la PFLA, la pneumonie franche l'auberge aiguë, anciennement appelée, donc, nous avons beaucoup plus euh, pneumonie à pneumococ. Ce que je vais vous dire, c'est que c'est une infection. Euh, du parenchyme, c'est une infection euh, aiguë du parenchyme pulmonaire Alors, ce qu'on peut retenir, c'est qu'elle euh, est due à streptococcus pneumoniae, encore une fois. Tetrol, baina, c'est les voies respiratoires euh, supérieures. Elle va euh, siéger au niveau du parenchyme pulmonaire. Euh, ce que je peux retenir, c'est que la clinique, elle est typique, baina, malophane un syndrome de condensation pulmonaire qu'on va voir de saha. la phase d'incubation elle dure entre 24 et 48 heures avec des prodromes notre ôn sous forme de syndrome pseudo grippal la phase d'invasion il est brutal et explosif avec une fièvre d'emblée 39 40 degrés euh, frisson, dis-moi une seule fois la frisson, y a une seule décharge. Monsieur 3, 2, 3, et des intervalles, dis-moi une seule fois la frisson. Ça va. Signe fonctionnel, tu connais des douleurs thoraciques sous forme de points de côté, de type pleural. Tout sèche, dyspnée. Ça va. Signe physique, herpes nasolabial naso-labial. Discret syndrome de condensation avec des fins crépitants. Nous avons appris les signes généraux terrestres ont d'emblée une fièvre 39-40 degrés, un seul frisson. Nous euh, avons des signes fonctionnels des douleurs thoraciques sous forme de points de côté de type pleural. Nous avons des toux et une toux sèche. Euh, une polypnée, euh, etc. ça. Signe physique, herpes labial et discret signe de condensation pulmonaire. à Njia. La phase d'état terri, encore une fois, à la une fièvre à 39, 40, toujours, il n'y a plus de frisson. La tour, la une toux expectoration avec des expectorations mucopurulentes ou là ce qu'on appelle les expectorations. Euh, rouillé de l'annec, et d'être fait ou l'homme semio, c'est pour ça que je parle encore de semio, mais tout mal d'être au pneu, et tout ça donc je pense que d'être allé à mes expectations rouillé de l'annec ou la hémoptique, qu'il y a là les urines foncées, ça les signes physiques, il y a un signe de condensation. Les signes de condensation, c'est très simple, il y a une diminution d'ampliation thoracique, il y aura plus de vibrations. Euh, augmentation plutôt des vibrations vocales, rachèque une matité franche localisée ou la submatité et l'auscultation de crépitant euh, avec un souffle tubère. C'est le syndrome de condensation terre. Saha. Un fascias euh, à peu près vultueux vu avec rougeur unilatérale.

Euh, voilà, l'onxaburane. Et parfois un méningisme. Méningisme, c'est quoi C'est une raideur de la nuque avec un LCR clair. Un LCS clair. Ça, ça. Évolution, sans traitement, il y a des complications qui m'ont la pleurésie, qui m'ont les suppurations à distance, c'est Traitement, il est favorable 24-48 heures et guérison totale. Et disparition des signes radiologiques au bout de, de, de 10, jours, 10 à 12 jours. A... Diagnostic, toujours pour euh, aller rapidement. Argument on a le terrain donc infection respiratoire haute, début brutal. Argument clinique principalement, laf, laf, on principalement la forme qu'on a décrit tout de suite avec euh, principalement une fièvre et, bon, les syndromes infectieux a euh, il peut un syndrome infectieux, il peut un syndrome de on va dire de condensation pulmonaire, euh, voilà. Sinon, à part ça, dans les arguments par la clinique, après une orientation, toujours FNS, hyperlococytose, par neutrophile, bilan inflammatoire vs élevé positif donc c'est automatique. La belle comme je a dans le bilan d'orientation tout le truc là, tu

et c'est un examen de certitude sur le PFL. On une opacité bien limitée, dense, homogène, non rétractile, bien systématisée, segmentaire ou lobert, avec bronchogramme aérique. Nous avons toujours une télithoraxe. L'hémoculture, toujours. Et les recherches d'antigènes solubles, toujours. Est-ce que nous avons une T'as ta, 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 la présence des Ça. Rapidement, l'hôpital, il y a fait le, le... Rapidement, la conduite, à tenir la conduite à tenir, Je vais décider. Est-ce que je dois hospitaliser Ou là, là, là. Est-ce que je peux le traiter en ambulatoire yani en dehors de l'hôpital où je le surveille à au rendez-vous Ou là, 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 je l'hospitalise. ولا كيما نحب ولا كيما يحب ماسي المطمر ولا كيما تحب فاطمه الزهراء لا لا باش نعرف اسكو جو دو اوسبيتاليزي مون باسيون ولا لا لا راني رايح ندير سكو نابل ان سكور بهذا لو سكور جو في ديسيدي اسكو نعرف اسكو جو دو اوسبيتاليزي ولا لا سي لو سكور كي ديسيد في بلاصتي لو سكور غادي سمو لو سكور دو Curbe 65. Score curbe 65. Score curbe 65. Le score curbe 65, en fait, c'est un diminutif. les initiales suivantes. Je connais Le C, mais en Le C, mais Confusion mentale. C, confusion mentale. Le U, mais L'urée sanguine est supérieure à 7 mmol par litre. Le U est l'urée sanguine supérieure à 7 mmol par litre. Le R, est, le le R est une fréquence respiratoire supérieure à 30 cycles par minute. La B, où je m'en cool. la attention, la tension, la tension, la tension, la la, la la systolique, c'est inférieur à 90 mm de mercure. La diastolique, c'est inférieur à 60 mm de mercure. Et 65, yani l'âge de connu, il faut que 65 ans. Donc, le curbe. Le score du curb Ou le score curb 65. Score curbe 65. S'il vous plaît, allez-y. Le score curbe 65. Le C, il une confusion mentale. Le U de curbe 65, il y a inférieur inférieure à 7 plutôt supérieur à 7 millimol par litre le R, la fréquence respiratoire et supérieure à 30 cycles par minute le b la tension artérielle la systolique tête 90 mm de mercure la diastolique tête 60 mm de mercure le 65 mantra patient qui dit, il faut 65 ans Qu'est-ce que je sais si j'hospitalise ou là, là Et le score de est égal à 0 ou à 1, je traite en ambulatoire. Que je vais le traiter en Je vais le traiter en ambulatoire. Je vais le traiter en ambulatoire. Et d'accord, le score est égal à 2, ça sera l'hôpital, hospitalisation intermédiaire. Enfin, hospitalisation tout de suite, parce que le risque de mortalité il est intermédiaire. صح. Et dès le score t t 3 4, est là qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais, euh, je vais l'hospitaliser. Mais je vais l'hospitaliser, dans l'unité de soins intensifs. Alors, parce que sûrement il a une détresse respiratoire, peut-être a besoin peut-être a un choc, un état de choc. Il doit le faire. Donc je dois traiter avec l'état de choc rapidement en soins, en soins intensifs. D'accord les gens, tu comprends? Ça, on le score. Et est entre 0 et 1, je traite en ambulatoire, Et le score est entre j'hospitalise mon patient. Et le patient est entre 3 et 4, je vais traiter, hospitaliser en soins intensifs. ça. Alors pour ce qui est de l'attention macil euh, Pour l'attention massile, je pense que ça je sais pas ya ça je sais pas on te ment pas ça je sais pas Est-ce que vous êtes suffit ou les deux d'après Ousmane, Oussman قال dit oui ça je vais chercher après euh, Rousman, je vais chercher je me pose ou je vais te d'accord

Traitement troisième, un des de sang de l'hémoculture pour confirmer. On le traitement spécifique terre et en ambulatoire d'après le score de curb terre qu'on a métroche l'hôpital. en os l'amoxicilline, nous de 3 grammes par jour l'adulte et à peu près 150 mg par kilo par jour l'enfant. Nous le le nombre de prises ça 3 prises et cela les mots 10 à 15 jours on échange on peut mettre euh, en cas d'allergie plutôt l'amoxicilline on prend l'érythromycine l'érythromycine toujours en péros va euh, pratiquement 2 g par jour l'adulte et 50 mg par kg par jour l'enfant dette en deux prises les de 10 à 15 jours encore une fois c'est vrai, Ensuite, On a fait un ambulatoire, On perd l'os, on met de l'amoxicilline. Si on a une allergie à l'amoxicilline, on met l'érythromycine. Pour le jour, j'ai 3 g par jour à l'adulte et 150 mg par kilo par jour chez l'enfant. En 3 prises, ça dure 10 à 15 jours. C'est vrai. En milieu hospitalier, on y direct, il y a une céphalosporine de troisième génération qui la céphotaxime vu que c'est un pneumocoque, donc a céphotaxime peut pneumocoque Donc soit on met la soit on met l'ampicilline en IVD toujours On la même posologie les est de 4 à 8 grammes par jour chez l'adulte et chez l'enfant, c'est de 150 à 200 mg par kilo par jour l'enfant DLI en quatre reprises, les moudes à 15 Voilà, pratiquement, euh, L'évaluation euh, à l'efficacité du traitement heures de zim, euh, traitement symptomatique, réhydratation, etc., antipéritique. surveillance clinique, biologique, thérapeutique, et pour finir, une immunoprophylaxie, c'est la vaccination anti pneumocoxique et anti grippe donc dès la vaccination anti grippe surtout sur les personnes les kabars automatiquement elle peut te conférer une immunoprophylaxie par rapport à les pathologies respiratoires voilà c'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs je l'ai dit j'ai anticipé la chose donc principalement principalement dans la PFE je vous je apprendre il suffit en un seul critère pour marquer le point, le score de curb 65. Les howa systolique diastoliques, donc Wartfermikri. Principalement, je fais maintenant comment on hospitalise mon patient. Alège, on hospitalise mon patient. Alège, c'est le curbe 65. On a le score égal à 2 hospitalisés, 3 et 4 hospitalisés en soins intensifs. Je faisais le traitement en ambulatoire, je faisais le traitement en milieu hospitalier et principalement C'était le cours sur les pneumocoques. principalement en deux parties euh, la méningo-encéphalite à pneumocoque et le PFL. Donc, si vous avez des questions, ou là pour aller rapidement, je vais vous On comme en live si vous voulez. Et là, vous voulez bien, comme une question volante, vous en live pour aller rapidement. Je vais ou on un cas clinique. دونك شكون عنده كيسيون شكون حاب نطلعو يهضر شكون حاب يسقسيني ديريكت آه يتفضل قدام لا كيسيون ولا قدام لايف ولا يقول لي طلعني اون آه لايف هكا سا سخا بلو غابيد باش يقدر نهضر معاه ديريكتومون ماسيل آه رضا معلم لي لا ياسمين ماشدي ماشدي فوالا شي نتوما اللي راكم كامل هنا مالكي اسكو راكم هنايا جو سي با راني نستناكم دينا فاطمه الزهراء عثمان اسكو راكم هنا مروه اماني نتوما كاملين اللي راكم هنا راني نستناكم اسكو دي كيسيون اسكو ما عندكمش اسكو شكون حاب يطلع شكون حاب يشوف

بعد كي شوف فاطمه الزهراء حبت تحط قلب البوراك خلاص عيات خلاص قلت لكم انا خلاص عيات كرهت عليه الوغ بعد كي سون لي زوت لي جون اسكو عندكم اسكو ما عندكمش شكون حاب يطلع لايف شكون ما حبش يطلع اي يقولوا يقولوا ما تحشموش نورمال اي ديريكت ديرو كيما انا لبست بيري انا باسكو حفيت بولا زيرو على بالكم هادو مبداينو تشعريه عفاني بالبيري على بالك وتقصو عليه شويه يضرب بالبيري اي بي صافي بارتي دو لا كولتور تاعنا لا كولتور الجيرواز

Madame A.S. A.S. Aguida. Badiche. 64 ans. Est amené aux urgences. Modérément confuse. A côté marqué. Modérément confuse l'équipe. A l'enchidant. Modérément confus. Ndirali a ta croix ou l'endorab kalam rassas. Kalam rassas. Ndor ali Modérément confuse. Fébrile à 39 degrés. Avec céphalée. Donc, un des frisson. L'histoire euh, de la maladie a débuté il y a huit jours auparavant par une sinusite maxillaire. Traité par une macrolide. Elle est suivie pour un diabète de type 2. Et une HTA depuis, euh, depuis 10 ans. Le bilan réalisé, déjà, chauffe les terrains. Les, les terrains. Ta, ta diabète, un terrain euh, d'une maladie à ORL, l'idée récemment, et y a la sinusite maxillaire. Euh... Une glycémie à 1,72. CRP-calc-gda, hyperlococytose. Yologramme, tac-tac-tac-tac-tac. À l'examen température 40 degrés de fièvre, frisson. Tension artérielle quatre euh, 1380, ça euh, a vomi à trois reprises. Donc il y a la notion de vomissement, y a la notion de céphalée, il y a la notion de fièvre, il y a la notion de frisson, il y a la notion de d'atteinte au RNN, elle est euh, modérément confuse, donc sur donc sûrement un signe neurologique, euh, se plaint d'obstruction nasale et de céphalée. Pulsatile, rasséant fat, rasséant fat. Les céphalées pulsatile. Ah. Euh... La patiente est fatiguée, prostrée, avec confusion temporo-spatiale. C'est un trouble là dans la neurologie. On va bien après celle-là. Euh... raideur de la nuque. Indiscutable, mais on est L'examen du pharynx montre un écoulement purulent postérieur, pas d'autres signes neurologiques associés et le reste de l'examen est normal. Quelle est la pathologie Bien, bien c'est une meningo-encéphalite à... bactérienne à pneumocoque probablement. Ou la streptococcus pneumoniae probablement. C'est le point complet. Les arguments sont Trop de, de intense trop l'oblique de vomissements angsé, plutôt euh, plusieurs épisodes de vomissements, trop de elle confuses, confuse aligda. À tout cas, que Quel examen complémentaire indispensable à réaliser en urgence La ponction lombaire. ponction lombaire en urgence, après avoir euh, confirmé qu'il n'y a pas de contre-indication.

euh, zid, on va y que soluble. La recherche d'antigène soluble, ça Comment confirmer le diagnostic? Tag. Admettons qu'on sache faire l'examen complémentaire de certitude. Trop tout simplement. Des l'étude tag. Le liquide céphalo rachidien l'étude cytologique, bactériologique, etc. Z. Trop euh, Recherche d'antigène soluble. في الدم <applause> دون لو ال سي اس اه وي اي لي زو اي لي زورين اوسي في نورمال لي زورين خو اسمح لي اون فاولا راه وي ديكوني سي ريفارت انا دو فاصون طفيت انا شوف مول الخمسة ونص يقتلني رمضان من الاخر انا مول الخمسة ونص نطفى <applause> ما باش ما بقاش عايز ساعة مي مول الخمسة نطفى ساعة هذا أه... ما كان كو بونسيفو vous... كو بونسيفو دو تريتمون تاع لي ماكرو ليد هذاك تاع الديابيت

ما تقلقوش راني يعني هنا هذا لا تاع لي ها لقيته ها لكم يكي بزاف شباب كا كلينيك هذا هذا طاح اكزاما لو بي 1 p 1 2017. Ça. un adulte jeune Splenectomisé. Il y a trois ans, consulte aux urgences pour apparition d'une fièvre élevée. Hum. Accompagné de maux de tête, vomissement et d'un épisode de convulsion tonico-clonique généralisée. Mais il y a dans une complication d'aller une crise d'épilepsie. Les crises tonico-cloniques en neurologie, c'est les épilepsies. Donc, c'est bien qu'on quitte un module de neuro ou un module d'infection, mais parce que les détails, ils jouent Alors, l'examen clinique retrouve un patient obnobulé avec raideur franche de la nuque. Le reste de l'examen somatique est normal. La ponction lombaire pratiquée euh, en urgence retrouve un LCR purulent, pratiquement 1000 éléments par millimètre cube, avec 80% de polynucléaire neutrophiles. normalement on a dépassé 50% ou là, 60%. C'est bon. Albuminol 3 g glycol rachit 0,30 g par litre, pour une glycémie de 0.90 donc la moitié de 0.90 c'est 0.45 donc à peu près tu حوالي 0.44 0.43 0.45 et il y a 0.30 qui nous prouve que le, le glucose dans le liquide céphalo rachidien il a été consommé ça quel est le diagnostic le plus probable la ما على باليش جو سي با سي با ايفيدون واعره لا لا معليش ما مديك واعره في ليكزام ما فيها والو نعاود ندير غروب مون سيندروميك تاعي نعاود نستف روحي بالعقل بالعقل على بالي بليك عندي دايور سا لا كيسيون لي موراها سون فوز اغيون دونك نعطيهم لك من الاول على بالي بليك سيد الي سبلينيكتوميزي على بالي بليك او دير فيفر او دير سيفالي انتونس او اون دو لا نوك Donc, je vais, on va re syndrome méningé fonctionnel, le syndrome méningé le physique, et Likewise, les signes encephalitiques, obnubilations, etc. On des signes tonicocloniques, etc. On va écrire. On la biologie. On a un LCR purulent avec plus de 1000 éléments par millimètre cube. On a, je sais pas, des glycérides consommés. On va écrire, je les explique. Donc Ana pour moi c'est une euh, pour moi une, euh, méningo, plutôt, une, euh, une méningo plutôt c'est une à streptococcus pneumoniae et probablement donc bactérienne probablement les arguments on les a écrits et décrits tout de suite quel, quel examen paraclinique à pratiquer pour confirmer le diagnostic alors l'examen paraclinique que je vais pratiquer Anna, ça sera euh, une LCE. Bon, chauffler les d'orientation. Nous orienter mon diagnostic télé dit euh, pour confirmer euh, l'hémoculture avant toute antibiothérapie en respectant les cirques de l'hémoculture. E euh, on on justement un positif. Euh, Nous euh, le liquide cérébrospinal. Euh,

les autres détails importants, euh, nous mettons le traitement TERI et nous finalisons. Alors, quelles sont les mesures prophylactiques que vous envisagez chez le patient Alors, non. déclaration obligatoire de la maladie, nous mettons le traitement à la splénectomie TERI, traitement du splénectomie Z, qu'on a les micônes obligatoires dans la nous

L'aise, à chaque fois qu'on parle d'hémoculture, nous les six règles. Oui, Mathilde, à chaque fois qu'on parle. Euh, à chaque fois qu'on parle, justement. De. À chaque fois qu'on parle de, de l'hémoculture, nous avons les règles. Donc, nous avons les C'est primordial. Voilà. Euh, pour ce qui est Melki, -qu euh, je dois donner le traitement du splenectomisé ou la splenectomie. Exactement, ils n'en ont pas parlé. D'ailleurs, ils ne le disent jamais

ما عندناش يا با سوسي لويزا مرحبا أه... كاين بزاف اللي يا اذا حكمك في ياش خلاص راك فوتو راك حتموت وخلاص وكدا اوك سي با فري ان فيت لو في ياش دوكا يا ان تريتمون ان تريتمون كون دو ابروندر ا في لو تريتمون هذايا يمكنك تعيش نورمال يمكنك تقدر تتزوج يمكنك تقدر يكون عندك دي غابور يمكنك تقدر تجيب دراري يمكنك سون بروبليم ولي با ولادك Euh, ils y a la choses là-bas, sans problème. Ce sont les, euh, les, 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 les traitements antirétroviraux. Mais ils vont bloquer l'action de l'ARN l'ARN rétroviral, hein, d'accord Ils empêchent la rétroconversion de la cellule, de l'ADN, ADN ou ils d'autres protéines, même gp120 ou gp41. Et bien, les, les traitements les les inter les alpha c'est le même principe les 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 hépatites et que vous allez voir en long et en large dans les gastro les hépatites euh, traitement allant l'hépatite euh, C ou B d'ailleurs l'hépatite C elle guérit l'hépatite B elle guérit pas ça plutôt on peut la neutraliser mais l'hépatite C c'est un vaccin mais l'hépatite B ou C ou même le principe de euh, le traitement ils l'ont étudié, c'est le VIH. Et euh, le traitement Taham, en fait, ce sont des interférents alpha et ce sont des antirétroviraux. Ils bloquent l'activité, la, 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 la transcription ou la machine arrière. Oui, c'est une rapide Exactement. Donc, ce sont des traitements à vie. Et le but Taham, c'est de diminuer la charge virale, par exemple, le VIH, de 200. Par contre,

شي <متصفيق> دارهم لنا مليح او فات لويزا كانت معايا في بيتراليا دارهم لنا بيان لو بروف تاعنا دكتور زمولي اللي كان فريمون ا لا اوتور يعطي الصحه داير بلو دي كيسيون لي جون المهم انا نقول لكم يعطيكم صحة ميرسي دافوار ايتي لا ديال لو ديبار حتى دوكا فوزيت لي شامبيون تصبروا معايا تقراو تقعدوا يعطيكم صحة سامدون لا فورس سامدون الكوراج باش نكمل باش نافونسيو نخدمو كيف كيف جيسبر ما كنت تقل عليكم جيسبر كو خطفتو سارتين شوز نقول لكم يعطيكم صحة صحة فطوركم يا منعش ونتلاقاو ان شاء الله اون اوتر فوا تحياتي بسلامه